Tout cela car il ressemblerait au président Xi Jinping. Ça m'assoula. C'est la photo la plus censurée en Chine cette année, le dirigeant chinois et Winnie l'ourson côte à côte. En cause, la ressemblance supposée entre Xi Jinping et l'ourson, évoquée par des internautes chinois lors de cette parade militaire. Ubuesque, mais ce n'est pas la première fois. En 2013 déjà, ce montage photo avait été banni des réseaux sociaux. Aujourd'hui en Chine, l'inoffensif ourson est un sujet sensible. Il suffit de montrer cette image aux passants pour s'en rendre compte. Pas de commentaires politiques. Il vaut mieux ne pas trop jouer avec ça. C'est pas bon pour notre président. Pourquoi ? Au contraire, il est mignon, ça lui donne un côté sympa. Certains prennent le sujet très à cœur, fibre nationaliste oblige. Ah, vous vous amusez à comparer Xi Jinping à un ourson. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Cette affaire de nounours et de président pourrait juste faire sourire si elle ne traduisait pas un durcissement supplémentaire de la censure en Chine. Ici, tout commentaire ne peut aller que dans un sens, positif pour les dirigeants. Un culte de la personnalité autour du numéro 1 chinois qui transforme un simple ourson de dessin animé en un personnage subversif.